Luc, il y a Axel, c'est Grâce. Quand vous verrez cette vidéo, vous serez certainement déjà mariés. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, à part vous souhaiter d'être heureux parce que vous le méritez. Kelly, tu es une très bonne personne. Tu es ma grande sœur. Tu as toujours été là pour moi. Tu es ma meilleure amie. Et tout ce que je te souhaite, c'est que tu sois heureuse, que tu me fasses plein de petites neveux, plein de petites nièces. Et pareil pour Axel. Je pense que si Kelly est tombée amoureuse de toi, si elle t'a choisi, c'est certainement parce que tu es aussi une très bonne personne. Alors à vous deux, je vous souhaite énormément d'être heureux. Kelly, prends bien soin d'Axel parce que j'aimerais bien voir des joues. Et pareil pour Axel. Axel, prend très bien soin de Kelly parce que c'est une perle. Et je prie que la main de Dieu soit toujours sur vous. Soyez heureux encore, encore et encore. Et je vous aime très, très fort. Salut Axel, salut Kelly. En tout cas, je vais vous souhaiter le meilleur pour votre mariage. Le 5 mars 2022 est une date qui sera à jamais gravée dans nos mémoires à cause de la décision que vous avez décidé de faire, de vous unir en mariage. Moi, de ma part, en tout cas, you know I got you guys. Et on est là avec vous, vous n'êtes pas seul, mais faites votre histoire et n'ayez pas peur de faire des erreurs, ça arrive, ça fait partie de l'histoire. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne, que vous ayez beaucoup d'enfants. On va avoir beaucoup de petits neveux et de nièces. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'allais paraphraser une phrase que j'ai déjà entendue qui disait que même si je perds un garçon, je gagne une fille.